Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019. Aujourd'hui, on se retrouve pour la série 100% Painter. Aujourd'hui, on va faucher. Mais avant, s'il veut bien, je vais baisser un peu parce que le son, il est fort. Donc aujourd'hui, on va faucher. Pour un petit truc à vous dire, j'ai voulu faire 2-3 petits trucs sur... J'espère que vous m'entendez toujours. S'il veut bien. S'il veut bien. Je vous dirai après. C'est quand tu veux, j'ai pas tout mon temps. S'il veut bien, je veux, hein, les gens. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais... Ah, enfin, il a répondu. Désolé, hein. Voilà. Donc, ouais. Donc, pour info, je vais vous faire 2-3 trucs sur farming, d'accord. Ça m'a désinstallé. Après, j'ai eu un problème avec... J'ai eu un problème avec farming, d'accord. J'ai eu un problème avec farming. Du coup, farming s'est désinstallé. Ah putain. D'accord. On va faire comme ça. Je vais détacher parce que ça me saoule. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça m'a désinstallé automatiquement Farming, donc Steam a désinstallé Farming. Du coup, je l'ai réinstallé et du coup, ma sensibilité de la caméra est pourrie, comme au début. La texture des bottes a été modifiée. Voilà. Petit souci, non? Ah putain, le carreau, désolé. Vous voyez, ma souris, je peux pas la changer, je peux pas la tourner comme avant. Donc voilà. Et du coup... Qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis pas dans la bonne sélection. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va faucher. Désolé. C'est un petit peu. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faucher. Comme je vous l'ai dit. Désolé si vous n'entendez pas trop le véhicule, je vais vous montrer plus tard pour les prochaines vidéos. Mais du coup, j'ai plus la texture des bottes que j'ai plus mon conditionneur que j'avais. Mais... Tant mieux parce que là j'ai encore des petits coups des trucs comme ça, mais ça c'est chargement. Je suis vraiment navré, les gens. Je suis vraiment navré, je sais pas ce qui se passe. Du coup, bah, je vous mettrai la texture des bottes, c'est tout, et puis le reste, on verra plus tard.
Donc là, on fait un petit peu de fauche, tranquillou. Là, vous voyez, j'ai moissonné le colza. J'ai des petits coups de lag des gens, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça. J'en fais ça. Est-ce que c'est la map, la partie? J'en sais rien. C'est un peu saoulant quand vous tournez des vidéos et que vous n'êtes pas fluide sur une map, alors vous étiez fluide avant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Oups. Donc déjà. Donc voilà. Ouais, mais vous voyez. Est-ce que je peux vous mettre la FS? Voilà. Je tourne. Voilà, je tourne pas finement. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent un angle. Comme ça, mais sachant que la partie va bientôt être dead, va être bientôt fini, pas fini. Il reste encore quelques épisodes, ça va être la 12e. Je sais pas si je vais tenir, parce que normalement j'avais prévu 15, mais peut-être 20. Mais si ça continue comme ça, je pense que je vais faire des grands avancements et on va la finir plus vite que prévu. Donc voilà, donc c'est un peu saoulant. Ce qui est bizarre, il n'y a que ce jeu-là que je suis pas fluide. Et ETS2, je peux rouler une heure, deux heures, il n'y a pas de souci. Là, je suis en multi, donc j'ai pas de voiture, mais même en ayant des voitures, j'ai des lags. Oui, j'ai des lags. Je ne sais pas ce que j'ai. Alors, la vidéo va rester comme ça, parce que... La vidéo, voilà. Je tourne pas fluide. C'est bizarre. Donc voilà. Aussi, petite nouveauté, on va parler un peu de TSE. J'espère que mon son ne sera pas trop bugué, mais je m'en excuse d'avance. Désolé si vous entendez des sons extérieurs. Hein. Ça arrive, hein. J'ai pas un casque micro, mais voilà. Pour vous dire que, un nouveau véhicule est arrivé sur ETS2. Si je peux mettre le TH. Donc il s'agit du Renault Range T, oui, enfin le Renault Range T, je pense que tout le monde a vu, hein, qui est sorti. On l'attendait depuis un moment, maintenant il est sorti sur ETS2. Alors est-ce que je vous ferai une petite vidéo sur Renault Range T? Dites-le moi. Ah, mais je pense que ça sera sur le tuto, mais il faut que j'avance sur le tuto. C'est ce que je suis en train de faire, j'avance. Mais c'est plus long que prévu, donc vous aurez un tuto. Le tuto, certes, ça fera quelques mois que j'ai arrêté un petit peu. J'ai mis un peu cette série, enfin ce tuto, mais pour le dernier épisode, il faut que j'avance grandement. Et du coup, c'est très 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 long. C'est très très long de gagner de l'argent, d'agrandir sa flotte de véhicules et tout. Là, j'ai qu'un seul chauffeur qui bosse. Donc... Là j'ai prévu d'acheter encore un autre camion, mais ça coûte de l'argent, mais il faut que j'en gagne, mais sachant que je suis niveau 15, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup de niveaux à débloquer. Voilà, j'essaye d'avancer un peu le maximum que je peux le week-end. Et dès que ça sera bon, vous aurez le dernier épisode qui sera la gestion des dépôts. Certes, la vidéo sera en retard normalement, mais bon, c'est pas grave, hein, ceux qui vont regarderont les tutos du début jusqu'à la fin, voilà, ils auront tout et je pense que ce sera ça tout. Bon, il y a le côté dépôt, voilà, et, comme je vous ai dit, on peut acheter les dépôts sans aller directement à la ville où il y a le dépôt pour l'acheter. On peut acheter directement en petit dépôt ou gros dépôt, donc voilà. Donc animalou, donc là ça va un petit peu mieux. Ah punaise, ça c'est chiant, je ne veux pas se baisser. Je suis obligé de m'arrêter place pour
Alors que la barre de coupe se baisse. Désolé, j'ai un peu ma voix qui est un peu. Mais bon. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'il est joli. Je sais que j'étais pas fan au début de Renault. Après, bon, j'ai bien aimé de conduire sur Premium Magnum. Maintenant, en jeté, je suis plus attiré sur en jeté. Bon, j'aime bien Scania, c'est mon coup de cœur. Hein, mais bon, Renault, vu ce qu'ils ont fait et vu l'attente. Alors, il y a plusieurs versions de ce rangeté pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, moi, je suis pas un pro de rangeté, hein, de Renault et tout, de toutes les marques. Hein. Mais à mon avis, c'est pas la version qu'on a connue en 2012. Je sais plus quand il était sorti ce véhicule-là. Mais comme il y a eu plusieurs modèles refonte de ce véhicule. À mon avis, ce véhicule, ça va être un 2018 qu'on a sur ETS2. Mais par contre, qu'est-ce que je le kiffe, même s'il ressemble un peu à la cabine d'un Volvo et d'un Magnum. Mais franchement, on peut pas s'en plaindre. Ah purée, mais. Je sais pas pourquoi, je vais pas se payer. Pourtant, si le champ est à nous, c'est bizarre. Donc là, on va faire du foin. Voilà. Je vais essayer de pas trop faire la limite, mais au moins faire propre comme il faut. J'ai vu qu'il y avait là-bas. Donc je sais pas combien la vidéo va durer, mais avec les lags, avec le gros lag que j'ai eu, je m'en excuse, mais je pense que ça va arriver souvent. Et tant que j'ai pas trop de problème, bah, ça va continuer. Je suis en train de me concentrer, les gens. Donc, ce sera peut-être en multi, mais j'espère que je ne vais pas me refaire kick. Mais à mon avis, ça sera non. Alors, je fais pas trop bas parce que je suis comme il est limité, je sais pas trop. Voilà, c'est à nous parce que je vois que c'est semé. On va moins faire propre. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il dort encore. Alors, désolé, voilà, encore un coup de lag. On va y aller là-bas. Je vais amener mes véhicules. Combien de minutes il reste? Désolé si je regarde pas la route. Il reste 13 minutes, mais le temps d'arriver là-bas, ça fera 15 minutes. Je m'en excuse des lags, hein. Quand on n'arrive pas à trouver le problème, ben, moi je laisse tomber, hein, c'est bon. Vous voyez, j'ai encore des coups de lag. Est-ce que j'ai pas chargé toute la map? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Voilà, regardez, j'ai des gros coups de lag comme si j'ai pas chargé la map. Est-ce que. C'est bizarre, mais après j'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'heures? Mais bon, je fais pas beaucoup d'heures, j'essaye d'avancer un petit peu, une heure ou deux. Mais voilà, c'est tout. Donc à mon avis je vais finir en off. Voilà, j'ai encore ma benne de grain là. Vous voyez. Alors je m'en excuse, je suis navré. J'ai encore la moissonneuse qui est prête pour le blé. On va vendre. Ça c'est sûr. Bon, il n'y aura pas de mode à mettre sur le site. Vous aurez, parce que la fourche c'est une base. Hein. Le tracteur est déjà mis, la fourche est déjà mise. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc nous on va s'arrêter là. Je vais déplier le truc. Ah putain. Voilà. Donc, oh, ouais, j'ai des gros coups de lag, ça me saoule. Donc nous on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, désolé des lags que j'ai eu.
Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il s'est désinstallé automatiquement, donc on verra. On verra bien. Donc, de toute façon, cette série va peut-être s'arrêter un peu avant, j'en sais rien. Peut-être ça va durer 20 épisodes. J'avais dit 15, mais peut-être 20. Parce qu'on n'a peut-être pas tout vu. On verra bien. Peut-être qu'on passera sur la nouvelle marque, j'en sais rien. On verra bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à voir tout ce qui est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi comme je dis, à la partager, je sais plus ce que j'ai dit, à liker, disliker ou à commenter la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis bye bye.